Bonjour, je m'appelle Romain, je suis gérant d'un salon de toilettage à Paris dans le 12e et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un toilettage tendance à votre animal. Pour faire un toilettage tendance à son animal, tout est possible. En l'occurrence, donc sur Sissi, on va raser le corps bien court, laisser les pattes assez longues, juste retravailler le contour de pattes pour que ça fasse des belles pattes bien rondes et venir lui faire une belle petite tête bien ronde, une tête de nounours. Vous aurez besoin d'une tondeuse avec le sabot de votre choix. Ici, c'est la longueur, c'est 7 mm, un peigne et des ciseaux. Donc, dans un premier temps, on va venir tondre le cou de l'animal jusqu'au dos, le ventre, en redescendant légèrement sur le haut des pattes. Voilà, donc une fois que le corps de votre chien est bien tondu, je vais vous montrer comment on fait le contour des pattes et la finition des pattes. Dans un premier temps, on va faire le contour des pattes. Voilà, donc vous prenez la patte comme ceci et vous essayez de venir dessiner un joli rond tout autour de la patte. Ensuite, on posera la patte et on finira le rond comme ça. Voilà, donc une fois qu'on a dessiné des ronds au niveau du bout des pattes, on va s'attaquer à la patte entièrement. Donc on va venir raccourcir un petit peu au niveau du poil, couper un petit peu tout ce qui gêne, tout ce qui dépasse, pour venir faire une patte, une belle patte bien uniforme. Voilà, donc une fois que vous trouvez que vos pattes sont assez courtes, bien uniformes, on peut passer à la tête. Donc dans un premier temps, on va peigner en avant le poil au niveau du museau, qu'on va venir choper avec les deux doigts, comme ceci. Et on va venir couper ce qui dépasse. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc une fois qu'on a coupé au niveau de la moustache, on va venir peigner les poils vers le bas. Et donc on va venir faire un cercle en fait, comme ceci, en partant du museau et en remontant jusqu'à l'oreille. Pour la tête, on va venir peigner les poils en avant. Et venir couper comme ceci en essayant de faire un rond. Pour finir, au niveau des oreilles, on va venir peigner l'oreille, attraper l'oreille entre deux doigts comme ceci et couper la partie qui dépasse en faisant attention de ne pas couper l'oreille. Voilà, donc vous savez maintenant comment faire un toilettage tendance à votre chien. Dans la prochaine vidéo, je vous retrouve pour vous expliquer comment épiler votre animal.